Voilà. Et alors attendez, parce que la soirée va être longue, hein. On a possiblement, on a une Falcon Heavy au BAD, décollage dans 1h55. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent ça? Qu'il faudrait qu'on m'avertisse quand SpaceX lancera son live, que je bascule sur une minute spatiale tier live. Bah ouais, minute spatiale tier live, et on va se mater la Falcon Heavy, c'est en plein jour, temps magnifique. Le problème c'est que il y a des vents d'altitude, donc 30% de chance que ça décolle. C'est moyen. Ouais, il faudra que je surveille ça d'ici 1h30. Et selon la météo, 23h16 exactement. Selon la météo, on avisera. Bon, allons une game. Allons jouer. Run avec le Gondor, j'ai réussi à lancer l'écho, on a repoussé toutes les attaques. J'ai quand même perdu une ville dans la baie de Béphalas. Et on va voir. C'est quoi la charge utile? Un énorme satellite, un bus géostationnaire de la NASA. Un satellite météo. Un gros machin. J'ai raté beaucoup. Je viens de lancer à l'instant. La poterne dorée. Et à propos de poterne dorée, je pense qu'on va réussir à sauver Fistion. Fistion qui est retranché dans le fort. Et je suis en train de faire un bateau. Fistion qui est retranché. Et je suis en train de faire un bateau. Possiblement dans un tour, j'aurai un bateau pour aller sauver Fistion. Je vais essayer. En même temps, on est en train de lancer partout de l'économie, des bâtiments militaires. Ici, je vais fortifier ça. Ici, on refait un siège d'Osgiliath pour tenir le pont. Kerandros est bien défendu. On a des premiers piquets du Gondor, les phalangistes T2 qui sont arrivés. Et on va continuer à développer l'Incom. On est monté à 7000 d'Incom, ce qui n'est pas dégueulasse. J'ai très très peur de voir l'Isengard m'attaquer. Mais je suis en train de commencer à lancer de l'infrastructure militaire. On a une petite armée s'il faut pour intervenir. Là j'ai deux généraux sur place. Est-ce que je pourrais pas envoyer un général là-bas à Cédéland, toi là-haut là. Hop. Voilà. Parfait. En plus ça va améliorer les revenus de la ville. Et partout, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On a de quoi se défendre. Mais on est justique. Hein. Faudrait pas qu'il y ait des trop gros stacks qui commencent à arriver. Genre ça là. Non mais regardez ça. La cohorte. Cohorte numénoréenne. On en parle de ça? Je connais pas cette unité. Ça fait peur. Des pikman de Belagard, des phalangistes. Il a des territoriaux qui sont un peu l'équivalent de mes troupes du Gondor, de son côté. Ah ouais, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Je dis tour suivant. Isengard, qu'est-ce que tu me veux, Isengard? Je veux surtout pas que le... Tu vois, il est pas mal. Oh non, tu vas te brosser, mon gars. Je te paye pas de... Je te paye rien. C'est toi qui viens m'offrir Trade Rights. Ben voilà. Oh, le salopard. Il a voulu m'estorquer de l'argent. C'est du T3 qui correspond au Black Templar du Mordor. Il a ça, il a déjà ça. Tour 34. C'était peut-être l'armée scriptée de base, hein. C'est Grima la langue de serpent. Oh, Ered Luin a rejeté les anneaux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pélargir, les maçons. On va installer du marché. Et on va... Je vais encore garder un peu les taxes un petit peu élevées. Et ici, on va continuer à faire des infrastructures militaires. Stewart Hall, c'est parti. Ouh, la Galax Bar. Oh oui. Allez, les T2. Je commence à faire des bâtiments militaires, hein. On est pas mal. Hein. Je surveille ce qui se passe. Ok, Black Gate. Oh, pardon! Mon bateau est prêt. Je vais aller sauver Fistion. Messieurs, Fistion. Fistion a survécu. C'est officiel. Voilà. Et je pense que Fistion va aller prendre un commandement là-bas. Parfait. On a sauvé Fistion, hein. On a fait un bâton juste pour ça. Et on va continuer à faire des bâtiments de l'infra.
Oh, il y a des mines. Allez, je vais investir. Là, j'investis dans des mines. Hein. Mine à Brésil, mine à Tarnost. 7000 d'income. Ici, on est bien. Il y a quoi de retranché? Parfait. On va saigner tous les orcs molleurs, là. Ça va prendre des dégâts d'attrition. Allez, tour suivant. La porte noire est vide. Mais en fait, je ne sais même pas comment l'IA s'effondre à chaque fois. Le Mordor est pas si bon que ça. Mais en fait, je suspecte. Ah ouais, d'où il sort ça, lui? Juste quand j'ouvre ma gueule. La brosse à reluire. Hein. Dès que j'ouvre ma gueule, je suis puni. Y'a quoi là-dedans? Par contre, des cataphractes. Putain, heureusement que je vais être retranché. Hein. J'ai quoi pour défendre? Ouais, j'ai pas beaucoup d'infanterie. Hein. J'ai vraiment pas beaucoup d'infanterie. Hein. Je suis ric-rac. Hein. Va falloir que mes phalangistes T2 tiennent la boutique. Hein. Pire, là, je vais envoyer un général en renfort. Voilà. Et je vais prendre deux généraux en renfort, dont Denethor, pour venir supporter au cas où. Voilà. C'est vrai que lui, là, il me semble que c'est des Axeman de Losarnac. Ouais, ouais. Eux, là, ça donne quoi, la ville? Ouais, ça sent. On va faire ça. Bah, Fistion, vous savez quoi? Fistion, au nord, va venir prendre le... va être gouverneur. Fistion qui va redécouvrir les joies. Y a pas un fort dans le coin, là? Là-haut, hop. Toi, tu vas rentrer au port. On attend des jours meilleurs. Je vais même te faire railler. Ouais, 150, je peux la garder. Et on va continuer à faire de l'infra. Des mines. J'ai 3 mines en construction. Et ici, je continue de surveiller avec attention. Oh là 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 là. Il faut vraiment ici que ça se développe, mais c'est lent. C'est lent. Lundgalen. Pas une école. Écurie. Master Mason Hall. Voilà. C'est gagnable, ouais, c'est gagnable. Tu vas voir. Carrément gagnable. Tour suivant. Attends, j'amène les gardes de la fontaine avec Denethor. Tu vas voir ce que je vais lui faire au T1 du Mordor. Là. Et je pense même que ça tient en défense. Avec tous mes archers, là, on va faire une kill zone. On va se régaler. On espère qu'il va attaquer au tour suivant, qu'il me fasse pas de dégâts d'attrition. Nouvelle mission, Umbar. Ouais, ouais. Ah bah attends, vu que j'ai... Attendez. J'ai un bateau, autant le mettre à bon usage. Hein. Voilà. Toi, tu vas aller rejoindre les forts là-haut. Ici, je suis sous siège. Fistion, tu vas aller prendre le commandement de la garnison de Karasast. Et toi, là. Hop. Voilà. Parfait. Et ici, on va continuer. Oh là là, les mines. Je suis en train de mettre des mines partout. Ça coûte très très cher. Mais c'est un investissement qui va payer Karasast. Ouais, je mettrais bien le T3, mais ça coûte trop cher. Ou alors, je vais annuler les mines ici, je vais poser le T3, et là-haut, je vais faire chicken farming. Voilà. Tranquille. Tranquille. C'est vrai qu'on est aussi en difficile, donc l'IA met du temps à se débarrasser des... Quand il n'y aura plus de rebelles, ça va être quelque chose. Hein. Ça va être quelque chose. Ok. On a réussi à lancer Lincom. On a réussi à lancer le Lincom, c'est le plus important. Si j'ai un peu d'argent, je peux faire des miracles. Bon, est-ce qu'il va m'attaquer là? Ouais, bataille. Ouf.
Ok, c'est beaucoup de T1, mais il y a quand même les Locrim qui vont être chiants. Oh, mais non, mais les cataphractaires, mais au secours, d'où il sort ça, putain? Bon, là, ils sont que 17, ils ont déjà pris cher. Bon, ça, c'est de la merde, ça, c'est du T1. Bon, c'est pas exceptionnel, mais... J'ai pas non plus... J'ai pas de garnison ni rien, quoi. C'est compliqué, sans garnison, hein. Oh, magnifique artwork. Vous vous rendez compte, mon Wartank vient de se faire flaguer par YouTube, hein. Je dois demander à un modérateur de regarder mon dernier Wartank sur les porte-chars. Hein. On en est là. Tu vas tout découper. Il va arriver un peu tardivement dans la bataille. Je vais utiliser la pente, là, pour mettre mes archers. Et on va faire une superbe kill zone. Voilà. Comme ça. Comme ça. Matez le nombre d'archers qu'on a. J'ai trop d'archers. Rien à voir avec Gérard. Mais je suis très très pauvre en infanterie en fait. Je suis vraiment très pauvre en infanterie. Et j'ai peur qu'on se fasse submerger. J'ai peur qu'on se fasse submerger. Ouais, j'ai très peur. Voici les piquiers. Nouvelle unité. Phalangiste du Gondor. Déjà que le Gondor est fort, mais si on enfile des phalanges en plus T2, quel régal, hein. Ouais, je suis un petit peu salé de voir YouTube qui me flague mes vidéos, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que ça prend 4-5 jours que entre 3 et 5 jours pour que la vidéo elle soit acceptée. Ce qui est extrêmement chiant. Parce que voilà, moi j'aurais bien aimé la balancer ce soir, la vidéo. Donc je dois attendre. Pour prendre plus de place. Hein, pas faux ça. Pas faux du tout. Mais en fait, je préférais que l'effort principal vienne sur mes piquets. Et que je fasse une kill zone ici. Sachant que mes mecs vont quand même arriver. On va pouvoir faire de l'XP là. Oh là là, les piquets du rune vont être une menace majeure. Je vais me focus dessus avec mes archers pour essayer de m'en débarrasser. Quelle est la raison invoquée par YouTube? La raison invoquée, c'est ferme ta gueule. Alors qu'il n'y a rien. Genre, il n'y a rien. Ah si, à un moment, je l'ai reculé peut-être. Allez savoir. Allez, on attend encore un petit peu. Maintenant, feu à volonté. Voilà. Et là, on y va. Hop. Hop. Matez la kill zone. Oh, le régal. Oh, le régal. Oh, il tank bien, il tank bien. Ok, c'est de l'anti-armure qui arrive. Oh, les cataphractes. Les cataphractaires. Allez, faut que ça tienne, la def. Magnifique. Là, mes archers sont superbes. Je sais pas c'est quoi là-bas. C'est de la racaille. Voilà, là, ils vont... Le fait que les gardes de la fontaine soient avec Denethor, c'est chiant parce qu'ils ont les pics baissés et on peut pas remonter les pics. Oh là là, matez-moi un peu les archers. 23% de perte, 0. Ah ouais, la maman de Chouan. Hein. C'est peut-être Knight. C'est sûrement la vipère avec ses remarques sur la maman de Chouan. Allez, on défend. On serre les rangs. Ah, il est en train de me flanquer. Ça tient, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient. 33% de perte. Là, mes archers, ils se régalent. Ouais, la main de Chouan, peut-être. Hein. Ça pourrait être la main de Chouan. Ah, on a fait que dire des faits. Hein. Voilà. Oh, le général. Le général. Aïe, aïe, aïe. Oh merde, oh merde.
fait chier les cataphractaires. On va focus dessus. Eux sont casse-couilles. Oh non, mais les unis. Oh là là là, ça va devenir compliqué. Hein. Ok, il y a du Mauler qui arrive. C'est pas bien du tout que les Mauler arrivent. C'est les anti-armures qui viennent m'attaquer. Il faut que j'amène les gardes de la fontaine. Fait chier. Ça va pas être si simple que ça, cette bataille. Mais merde, il vient attaquer, mais... Fait chier. Ok, ici, par contre, ça tient. S'il n'était pas aussi lent, l'autre, là... Oh, il est casse-couille. Oh, sa cavalerie qui vient me chercher. Oh, que c'est gênant. Fais chier. Là, on a un gros problème. Hein. On a un très, très gros problème. Elle va être compliquée, cette bataille. Oh là là, ils sont durs à trouver. Allez, on continue de tirer. Là, ça fuit. Parfait. Oh là là, hey, ils font un boulot incroyable, les phalangistes. Hein. Ils sont bons, hein, top tier. Là, mon général, on va l'intercepter. Et Denethor va aller chercher la bagarre. Oh là 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 là, ça fond, mes mecs. On continue de tirer. Tant que mes archers tirent, on est bon. Chouang aurait signalé la vidéo, oh non. En fait, c'est même pas possible, vu qu'elle a jamais été mise publique, c'est les bots. C'est les bots de vérification de YouTube qui m'ont dit non. Oh là là, regardez ce qu'il fait. C'est pas grave, pendant ce temps-là, on tire. Et on fait du DPS. Parfait, allez, c'est parti. On va commencer à encercler tout ça. Allez. Oh, regardez ces putains de cataphractaires qui sont en train de me découpiller l'anus. Pff, tout ce qui arrive. Pardon. Allez, on rentre. Ok, il vient d'enfoncer mes défenses. Il vient d'enfoncer mes défenses. C'est compliqué. Oh là 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 là! Allez, Denethor arrive! Denethor avec joueur du grenier bis. C'est parti! Ok, on va devoir aller au cac. Hein. On va devoir aller au cac. On va aller au cac, c'est parti. D'ailleurs, ici, on a cramé presque toutes les flèches. On va aller boucher les trous. Sacrée bataille, quand même, hein. Ici, il a totalement enfoncé ma def. Ça finit au corps à corps, hein. Allez, les gardes de la fontaine. Denethor. Avec les Tchad. Allez, on pousse. On vient les encercler. Oh, la cavalerie, elle m'aura empoisonné. Hein. Les cataphractaires, là, les pertes qu'ils m'ont fait. Après, j'avais... On va ici, ouais. Hop. Oh, du sub en pleine bataille. Drakirio, 14 mois, merci, mec. 14 mois d'un an, c'est propre, hein. Ça m'inquiète quand je vois les mecs à 50 mois. Hein. Le Covid, c'était il y a si longtemps, en fait. J'ai l'impression que c'était hier, le Covid, moi. Oh là là, je vois Faramir qui est beaucoup trop engagé au corps à corps, à mon goût. Je vais décrocher Faramir. Et avec les autres unités ici. Voilà, allez, chope-le.
Voilà, allez, chope-moi ça. Oh, le spear jump! C'est gars! Putain! Merci, mec! Cette arrière est toujours trop forte! Je l'ai pas changé depuis le temps! Allez, ici, les gardes de la fontaine, on est en train de les nettoyer là. On est en train de nettoyer ce qui reste. Denethor, c'est bon, ça fuit. Il se sera bien battu. Hein. Il y a tout qui fuit, c'est bon. C'est bon. Il y a tout qui lâche. Le général qui lâche pas. Mais c'est indécent, le général qui lâche pas. Il en reste 22 du général. Hein. Un bit par un bit. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça, c'est pas sympa. D'ailleurs, mon automate t'a bloqué à cause de bits. Tiens, bien fait pour toi. Ça, tiens, tu veux troller? Bam, mon automode. Ce brave automode te tombe dessus. Ça t'apprendra. Ah ouais, les bits c'est cool, mais faut pas les mettre un par un. Hein. Allez, on l'a eu, le général en moins. Allez, hop, Afuera. Bon. Elle a coûté cher cette bataille quand même. Elle a coûté cher. Heureusement qu'il y avait Denethor et l'autre, hein. Sinon ça aurait peut-être été compliqué. Hein. Le fait qu'il n'y ait pas de garnison, c'est terrible. Hein. Vous savez que là, c'est ma garnison qui aurait tout tanké. J'aurais mis piqué au centre, les deux garnisons sur le... Et en fait, j'aurais pris quasiment pas de perte. Denethor s'est déplacé à Kyrambos, je suis obligé. J'ai pas de garnison, je suis obligé d'avoir Boromir, Faramir et Denethor en première ligne, systématiquement. Il est plus proactif. Oh, mais dans les films, il est pas mis à sa juste valeur dans les films. C'est un giga Chad, Denethor. J'ai fait un Lord of the Rings dessus pour l'expliquer à quel point c'est un Chad, Denethor. Mais ouais, j'ai besoin de Denethor. Il est avec les gardes de la fontaine, il est intestable, quoi. C'est ma meilleure unité. Alors, maintenant que je sais que Sauron paye pas les rançons... Ah, dans les bails, le problème c'est que Jackson a dû faire des choix. Il a choisi le Rohan, ce que je peux comprendre. Et bon, John Noble joue super bien derrière un Denethor un peu fou et aigri. Tu as déplacé ta capitale pour la corruption? Absolument pas. Où est-ce que tu penses que je devrais mettre ma capitale? Pour maximiser ça. Je pourrais mettre ma capitale vers Etring ou Tarnost. On va voir. Je vais sauvegarder d'abord. Hop. Etring, il y a déjà pas mal de monde. Etring. Zut. Ah ouais, clairement rentable. Hein. Clairement rentable. Hein. Lincoln vient de boomer. Hein. J'aurais dû faire ça plus tôt. Hein. À chaque fois, j'oublie ça. Bon. On a évacué Fistion. Très important. Karasast. Je vais recompléter les pertes. Je vais recompléter les pertes. Hop, hop. Oh, 23 ici. Oh là 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 là, les pertes. Osgiliath, on va continuer à mettre Stewart Hall. On va continuer à débloquer les tiers supérieurs d'unité. Écoutez, j'arrive à construire presque partout. On est bien ici. School, non. L'écurie. Condor, Cavalry. On va choisir plutôt la croissance de la ville. Ici, je vais commencer à installer des garnisons. Ouais, hey, pas mal. 9000 d'income. Pour le RP, je laisse Minas Tirith. Écoute, tu peux baisser les impôts. Absolument. La contrepartie, c'est que je vais baisser les taxes. Je vais pouvoir baisser partout mes impôts. Partout où ils étaient assez élevés. En soi, j'avais déjà fait un tour pour baisser les impôts. Normalement, on est bon. Line here. On repasse en minimum. Fantastique. Fantastique. Tarnost, c'est une forteresse. Là, on baisse. Tout ça, c'est des forteresses et des landes. Il n'y avait pas d'habitants.
Calambelle, on baisse. Bah ouais, vous me verrez rarement avec les infos à fond. Mais là, j'avais vraiment pas le choix. Voilà. Pas mal. Il avait une tête de hobbit, le gouverneur. Écoute, t'as vu ta tête, toi? Est-ce que tu penses que t'as pas une tête de hobbit? Hein? 7 tours, on recomplète. Tour suivant. Ouais, en early, il aurait fallu le faire dès le début, je pense. Ça, c'est un bon tips pour les gens qui veulent tester le Gondor, de déplacer la capitale. Moi, j'y pense jamais à ça. Jamais. Oh là là, hé hey, regardez le chat. C'est pas un tour de zinzin, ça? Double mine. Marché à Pélargir. Et en plus, des poulaillers à Calenhad. Ça, c'est le genre de tour que vous aimez faire. Très rentable économiquement. Pélargir. Pélargir, je vais commencer à mettre des ports. Ah, ça coûte cher. Ok, ça coûte un peu trop cher encore. Bretil. On va mettre des... voilà. Edeland, il faut que je fasse ici, là, 935 habitants, c'est pas assez. On va mettre des poulaillers. Et je vais continuer ici à me préparer. Ouh, il y a des petites garnisons de Lysangar. Ici, malheureusement, c'est de la merde. C'est à ça évoluer quand? C'est à 1110, on y est presque. On y est presque à évoluer. Je vais continuer ici à mettre des infrastructures militaires. Practice range, c'est parti. Calambelle, pareil. Governor's Quarters. Je commence à mettre des infrastructures un peu plus militaires. Ah là, il me fait chier, lui. Hein. Avec sa flotte de guerre. Ah, Fistion! Fistion qui amène de l'huile de Miruvor. La forme, je pète la forme. Ok, pas mal. Là-haut, je vais finir de recompléter mes pertes. Voilà. Et je vais faire une unité supplémentaire de gardes territoriaux, juste pour tanker. Il y a Mordor qui est quand même bien présent. La question à 200 balles. Est-ce qu'on irait pas prendre Osgiliath Est pour le beau jeu? Hein? On va prendre Osgiliath Est et on défend Osgiliath. J'ai des piquets, j'ai des archers, je vais avoir Denethor. Moi je dis ça se défend maintenant. Ça se défend. Je ramènerai Denethor s'il faut. Mais ça se défend et on fait de l'argent. On go, hein. Avec Boromir qui la reprend, c'est totalement RP. On a déplacé la capitale, on va aller chercher Osgiliath Est et on va commencer à penser à essayer de tout réparer. Pousser jusqu'à Minas Morgul, ça va être compliqué à tout défendre. Je vais plutôt blinder. Je vais blinder Osgiliath d'archers, de tireurs. En vrai? T'es sûr en vrai? Tant que les grandes bêtes. Ouais, mais les grandes bêtes, elles se gèrent avec des. Le leader de Dol Guldur s'est fait avoir, c'est bon ça. Del qui prospère. Ah! Mission Guiding. Oh là là. But he's gonna use of the stone. Aïe 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 aïe. Là, on me dit que son usage continue. Quelqu'un sait ce qui va se passer avec Denethor? À force qu'il utilise la... Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est juste des événements pour me dire que... il devient fou peu à peu? All eyes on me! Bientôt 2 ans! Des malus pour le Gondor! Il meurt à la fin! Oh non! J'espère que tu mens. Merci mec! All eyes on me! T'as vu comment je le prononce bien, son pseudo? J'en suis très fier. Bon, attendez, ici on va continuer à blinder. Voilà, j'ai de la troupe qui est arrivée. J'ai même... On va continuer à mettre du T2. Et ce qui fait que je vais pouvoir virer Denethor. Voilà. Et on va se préparer ici à aller prendre Osgiliath. Tout en blindant. En blindant le merdier. Les écuries, j'ai pas besoin. Je vais mettre un maçon. Est-ce que Fistion irait pas prendre le commandement d'Osgiliath plutôt? Hein? Mon champion, Fistion, à Osgiliath. Au cas où, pour assurer l'arrière-garde, Fistion. Ou alors Fistion en première ligne. Hein, voilà. On a un problème. On a un problème. Il est face aux brigands. Je vais commencer à installer des territoriaux.
des archers. Fini la rigolade. Je me doutais que ça allait arriver un jour ou l'autre. On va commencer à se préparer à ça. Voilà. On va lever un peu de troupes. Hop, hop. Est-ce que les marines de Pelargir, les marines de Lebanon sont anti-cave? Ouais, ils sont anti-cave, parfait. Ils peuvent faire Shield Wall aussi. Excellente troupe. Ouais, les piques contre les variax, c'est pour ça que je fais masse lancier là. Et là, j'ai mes corps aussi qui sont prêts contre les Ardunens s'ils débarquent. Je me doutais que j'allais pas éternellement être tranquille. Les choses vont commencer à s'accélérer. Et ici, on va installer Governor's Quarters. C'est parti. Ok. Bientôt les veines de Ken. J'avoue, si Ken bascule. Pardon ? Ok, là je crois que la machine est lancée. Hein. La machine est lancée. Je vais, dans le doute, transférer des troupes à l'Inir. Bah techniquement, il a une frontière avec moi. Le fait qu'il ait l'île, le fait que que Umbar ait l'île de Gobel Tolfalas, fait comme s'il avait des frontières avec moi. L'Isengard me laisse tranquille. Je sais pas combien de temps il va me laisser tranquille, l'Isengard. C'est un pari que je fais, que je vois. Parce que s'il amène un énorme stack, je pourrais pas défendre. C'est pour ça que je veux faire du tower défense contre le Variag. Eh ouais, direct. Direct, ça attaque. Alinir. Normalement, j'ai de quoi repousser. Par contre, l'autre stack, ça va être plus compliqué. Hein. J'aimerais bien qu'il dégage le rebelle. Allez, attaque le rebelle. Il attaque pas le rebelle, putain. Allez. La puissance d'Angmar. Éventuellement ici, on aura des renforts. Gros stack. Hein. Gros stack, mais on a... on va faire de la troupe, voilà. On va mettre de la garnison. Et s'il faut... J'ai des renforts du nord qui peuvent venir. Voilà. Toi, tu vas aller là, à Métrast. Ah, mais j'ai pas vu que j'avais un général en trop ici. J'ai trop de généraux. Éventuellement, un des généraux là en trop pourrait aller à Edeland. Voilà. Bon. Ici, le siège continue. Parfait. On est en train de le saigner tranquillement. Oh, bah, j'ai un nouveau minion qui est arrivé. On va pouvoir. Écoutez, Fistion rejoint l'armée. L'armée principale avec Denethor. Hey. C'est beau quand même, Fistion avec Boromir et Denethor. Eh, les after-parties, les gars, ça doit être quelque chose. Hein. Oh non, Denethor. Pas l'huile de Mirovor. Incroyable. Hop. Là, je pense qu'on est bon au niveau def. Osgiliath, j'ai débloqué du piquier, du Spearman. Et on va continuer de mettre Royal Hall. Je veux à tout prix... Oh là là, là l'argent s'est effondré, hein. Bon, on est à l'attaque dans le sud. Ça pousse fort sur ma tronche. L'Isengard est plutôt calme pour le moment. Ça fait mes affaires. Et on est en train de commencer à faire de l'infrastructure militaire. Osgiliath va tomber dans 4 tours. Tour suivant. J'ai un peu peur de ce que Variag va faire. On joue le Condor Tower, défense à gogo complètement. En plus, maintenant qu'on a des phalangistes T2... Ça devient encore plus incroyable. Déjà que le Gondor est une bonne faction. Mais avec des phalangistes en armure. Tous les jours. Oh là là, regardez le nouveau stack qui arrive. Le Mordor est chaud aussi. Hein. Regardez ça. Ouf. Et il y a du Nazgûl qui arrive. Sauf que moi, les batailles auto, je vais pas les faire là. Allez, on est en train de saigner Osgiliath Est. J'aurai de la belle troupe qui va arriver derrière. Ça va nous mettre très très bien. Ça va me coûter cher. Mais c'est un bon sacrifice, je pense. Oh, ça serait terrible, ça.
que Ken me trahisse comme ça. Nouvelle mission, ouais, je sais, j'ai pas fait de diplomate au début. Ouh, attendez, il se barre. Écoutez, il s'arrache. C'est parfait. On va pouvoir recompléter. On est en train de finir les garnisons. Excellent. Là, dans 3 tours, ça va tomber. On a de la viande en train de se faire. On fait des nouveaux piquets. Oh là là, on commence. Bon, je vais quand même me calmer parce que ça coûte très très cher de faire ce que je fais là. Et j'ai pas forcément les tunasses financièrement pour lever une aussi grosse armée. Eh ouais, je suis ric-rac au niveau finance. Hein. C'est un peu compliqué. Il a occupé le fort, ouais, mais je m'en fous du fort. Je m'en fous du fort qu'il l'occupe. Hein. C'est pas des grosses armées, mais il y a des unités d'élite comme les piquiers et l'Ocrim. Il y a les cataphractaires. Non mais comment il sort double cataphractaire? Il a ça en mercenaire? Ça c'est pas scripté, c'est sorti depuis. Il sort des... Regardez les stats de Zinzin que ça a ça. On en parle. Tour 42. Vous voulez pas affronter ça en terrain ouvert? 28 de def, 11 d'attaque. Que ce soit en charge ou non en charge, c'est extrêmement dur à tomber. Et en plus, ça inspire les unités à côté, ça vous fait peur. Excellente unité, quoi. Et il a ça en mode YOLO, coucou, je sors ça de mon cul, clac, javelot contre ça. Ouais, mais bon, javelot, c'est un luxe d'avoir des javelots. Non, non, c'est phalange contre ça. Du phalangiste, et c'est parti. Bon, faut que le roi en tienne aussi. Le roi avait l'air de tenir en fin de session dernière. Faut que je surveille l'heure. Ok, ouais. Encore 3 quarts d'heure, je pense. Il y a des gens qui suivent le tir de la Falcon Heavy, là. Voir si on a un abort ou si le timer continue. Que j'ai pas à le tamer. Si vous savez pas, c'est pas grave. Voilà. Alors. Parfait. Toujours plus de bâtiments. Dans 2 tours, on va s'emparer d'Osgiliath. Et en plus, j'amène des nouvelles unités. Ça coûte cher. Mais c'est une belle armée de def. Double piqué. Du piqué, Denethor. Hey, elle est belle cette armée quand même. Hein. Dans le sud. Où est-ce qu'il va cette espèce de connard? Oh, mais j'ai la ville de Bretil qui est grande ouverte. Non, mais c'est pas possible. Ça me coûte une blinde de faire ça. Non, mais regardez ce qu'il a en plus. C'est de l'élite. C'est de la putain d'élite. Ok, attendez. Là, je vais prendre ma réserve ici. On va aller à Eltring. Ouais, c'est compliqué, là. Qu'est-ce qu'il fait? Le timer tourne 1h16. Super. Qu'est-ce qu'il fait, là? Pourquoi il a accès à ça? L'IA, tu respectes pas les règles des... L'IA joue pas RP. L'IA ne joue pas RP. Ou alors il a techniquement l'accès sur Pélargir aussi. Governance Quarters. Allez, je vais miser sur ça. Fais chier, c'est pas bon ça. Il y a des unités qui commencent à arriver. Je vais commencer doucement. De la troupe. Le problème c'est que là mes revenus c'est ric-rac. Dans 2 tours on reprend ça. Allez, on y va. Le variable fait chier. Ouais, il va prendre le fort vide. Je lui laisse le fort vide. Ce pseudo succube psychophante. Oh, vous avez vu le stack du Mordor? Je crois que le Mordor est en train de se réveiller. Ça rigole de moins en moins. La plupart des gens savent même pas ce qu'est une succube et encore moins un sycophante. Moi j'ai appris que récemment.
ce qu'était un sycophante. Ok, ça, ok, c'est bon. Le problème, c'est que c'est de l'élite. C'est de l'élite. Je vais devoir amener en urgence, je pense. Mon corps lourd. Mon corps lourd, parce que j'ai un petit peu peur. Je vais amener de la troupe là-haut dans le fort. Et ça va me permettre de préparer un nouveau corps d'armée. Voilà. Parce que là, la défense va être compliquée face... surtout face à eux, là, les Varyak Swordsman. Et vous savez, regardez le général Thorgrul. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il avait des oreilles de lapin comme une furry. Vous savez, une furry, là. Et j'ai cru, regardez... Mentez pas. On dirait quand même qu'il a des oreilles de chat. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est une furry. Non, c'est bon. Est-ce que le Mordor et le Balgoutour peuvent fonctionner? Je crois que si Sauron récupère l'anneau de pouvoir, c'est techniquement possible. Il m'a pas encore trahi, mais j'ai peur que ça se rapproche très rapidement. Et j'ai pas assez de pop dans mes villes, là. C'est un problème. Allez, là, ici, ça peut évoluer. Je commence à faire des troupes dans les villes pour défendre. Voilà. Là, je tape dans mon trésor. Hein. Voilà quoi. Ça m'a servi de faire des réserves financières pour ça. Bon, dans un tour, je fais sauter Osgiliath avec une superbe armée. Le souci, c'est tout ce qu'il y a ici. Hein. Il y a du beau monde. Ils sont avec quoi, les généraux? Les généraux de... Oh, des nobles. Ah, ils sont bons. Eux, ils sont bons, putain, les nobles Varyag. Mais l'IA, c'est pas forcément bien les utiliser. Donc, j'ai peut-être un coup à jouer sur ça. En tout cas, ça y est, le Varyag est réveillé. Il y a des sacrées armées. Hein. T'as jamais récupéré la nobleur de Mordor PP? Non, jamais. Jamais. Il y a des choses que j'ai jamais faites dans le jeu, encore. Ça inclut ça. À chaque fois que je joue le Mordor, j'arrive à gagner avant d'avoir besoin de récupérer la nobleur. Tour suivant. Mais j'ai jamais récupéré l'anneau. En ville, c'est bof, ouais, c'est de la merde en ville. Alors, un bon joueur peut faire des dingueries en ville avec. En utilisant l'excellent, c'est une très bonne unité de tir. Mais l'IA, c'est pas utiliser ça. Le Mordor a un stack complet qui attend que tu prennes Osgiliath. Ouais, et on va lui manger son stack. Et il y a un autre stack qui se prépare à attaquer Kerandos. Allez hop, je prends Osgiliath. On l'occupe. Allez, on va essayer d'être un BG et on va pas défendre sur le pont, on va défendre Osgiliath. Ardunay m'a fait chier à... Ok, bataille. C'est des bons généraux. Ok, à part ces deux unités d'élite, c'est de la merde. Ok, c'est jouable. C'est les Clodothéens. Ça se tente. Bon, après, moi, je suis pas mal non plus, hein, dans mon genre. Hein. Mon général, il a... Ah ouais. Mon général, j'espère que c'est les lourds. Allez, c'est parti. Le Harad me fait un blocus de mes ports, mais j'ai pas de frontière avec lui. Ardunay est posé à Belfalas, dans la baie. Et il m'a déjà fait des débarquements que j'ai repoussés. Mais ouais. Une attaque de nuit. Ok. C'est l'armée principale, ça. C'est l'armée principale. Oh, j'ai une magnifique position pour mes archers. Et pour mes javeliniers. Un mur de bouclier. Là, le but, ça va être de le tenir. Et injecter de la troupe. Sans cesse, plus de troupes. Et on va essayer de les bouffer au nombre. Ça va être une affreuse bataille. Hein. Ça va être une affreuse bataille. À coup de T1. Et j'ai même une réserve ici. Que j'utiliserai au cas où. Voilà. Je vais repositionner mes troupes. Et là, comme ça, quand eux auront tiré leur javelot, je serai en mode bouclier après. Allez, let's go. Allez.
Attendez, je vais essayer de mieux placer mes mecs. Voilà. Je voudrais bien que les archers aient la hauteur. Voilà. Oji, c'est pas une armée menaçante à part. Ils sont où comme dit, les cavaliers sont pas trop un problème. C'est du léger, c'est vraiment de la trash. Là, j'aurais aimé avoir les phalangistes T2, mais mes villes sont pas assez développées pour les avoir malheureusement. Donc on va faire sans. Et on va faire avec. Bébé ton général. À quoi mon général? Ah oui, mon général, bien vu, putain. Merci Loulou le destructeur. Ah désolé, il faut que... J'ai pas vu le chat. Hein. Heureusement le chat est là quand même. Hein. On fait déjà du kill. Le bélier arrive tout doucement. Oh, c'est les archers de la steppe qui ont le... Ouf, ouf. Oh, je commence à prendre des pertes. Ça tire, ça tire, ça tire. Allez, dépêche-toi. Allez. Parti. Là. On va essayer de... éventuellement choper... Allez, hop. Magnifique. C'est ça qu'on veut voir. Allez, on retire. Oh là 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 là. Allez, on attaque. Contenez-moi ça. Les javelots, magnifique. Allez, on lance. Ça, c'est un régal. Hein. Les javelots un peu en pente comme ça. C'est pas du perse armure, malheureusement, mais c'est pas grave. Allez. 6% de perte, je prends cher aussi. Je prends très cher aussi. J'attends que mes... Allez, les javelots. Voilà. Arrose. Oh, putain, les pertes que je prends. Après, j'ai du terrain de merde aussi. Hein. Oh là 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 là. C'est compliqué, hein. J'ai allé mon général pour le moral. Allez, mur de bouclier. On vient renforcer la défense. Je vais amener mes archers. On va les mettre sur la pente pour avoir un meilleur angle de tir. C'est parti. Mon général va rester un petit peu en retrait. Ici, on va tenir la ligne. Bon, mes archers sont peut-être un petit peu trop avancés. Ouais, mes archers sont trop avancés. J'ai fait de la merde. Au niveau des pertes... Non, non, où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? Obéis-moi! Je ne veux que ton bien, enfin presque. Pour l'instant, ça se passe pas bien. Et il y a encore une autre armée qui doit arriver. Allez, on se dépêche. Allez, on tire dans le tas. Regardez la quantité de... C'est indécent! Allez, là, l'angle est parfait. Fais-moi du kill. J'ai une seule unité d'archi, il faut que je la rentabilise. Oh, ils sont longs à tirer, ils sont longs, ils comprennent pas. Allez, voilà. Ils prennent la sauce. Hein. Mais ouais, il y a quand même quelques belles unités. Le Variac du général est une très bonne unité. Bon, je vais envoyer mon général aussi. Attendez, pause. Mon général, il est anti... Il est anti... Putain, il est anti-caf, mon général, j'avais oublié. Les Variac Swordsman sont là. Je vais aller attaquer les Variac Swordsman plutôt. Allez. Tirez s'il vous plaît les archers. Au lieu de subir. Oh là là, les pertes, c'est pas brillant. Hein. Vous savez que je suis en train d'attaquer la palette. Là, il me fait des tirs avec ses archers de cave. Mais pas ta réserve. Quelle réserve? Ah oui, ma réserve là. Putain, heureusement que le chat est là. Et en plus, je l'engueule.
Merci. Belisarius, je t'ai envoyé chier alors que t'avais raison. Oh là 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 là! Il force! Oh putain, c'est compliqué, hein. Putain, je pensais pas que ça se passerait aussi mal, hein. Mais alors, pas du tout, hein. Oh là là, mais regardez-le! Regardez ça! C'est un malade! Oh là, je suis inquiet, hein. Je suis très inquiet, hein. Je lui fais pas de perte. Oh là 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 là! Et il force avec sa cave! Oh là là, je l'ai tellement... Je l'ai tellement sous-estimé, je vais le payer cher. Hein. Ça m'apprendra. Et il y a encore de la troupe qui arrive, hein! Regardez! Il y a tout ça! Je vais retirer mes archers. Ils gênent, ils servent à rien là. Le général commence à prendre des pertes. Faudrait que j'arrive à tuer les généraux. Allez, ça tombe. Les variags nobles. Je vais demander à mon général de target les nobles variags. Il y a du général là-dedans. Et là, tire, tire. Tire dans le tas avec les archers. Oh là là, mais il me mange avec ses archers! Il arrive à tirer alors qu'il est au contact! C'est indécent ça! Allez, moi aussi je peux le faire! Oh, j'ai pris 74% de perte! Mon armée est en train de fondre. Je me fais ravager. Et lui est en forme. Je vais perdre, je vais perdre. Je me suis fait croquer. Je me suis fait complètement croquer. Oh la vache! La branlée que je viens de prendre! Et j'ai même pas réussi à tuer un général, rien! Je me suis fait éclater! Je me suis fait éclater, je me suis fait laver! Ah bah! Va falloir amener de la meilleure troupe, hein! Là on va essayer de faire le maximum de kills, là! J'aimerais bien essayer de tuer quelques généraux, mais même les généraux sont pas là. Je vais essayer de faire le maximum de pertes pour préparer l'après. Regardez ça ce que j'ai pris. Il défonce mes archers au tir. Et il y a encore tout ça qui arrive. Au secours. Écoute, on va faire le maximum de kills, hein. Il y a encore beaucoup de cavalerie, j'ai pas mal d'anticaves dans le coin. On va. Regardez mes archers ont cessé d'exister. Bon, là mon général est encore en forme. Il va avoir du mal à gérer mon général. Mais il a son infanterie qui est là. L'infanterie que j'avais peur justement. Et lui est compliqué à gérer. Ça commence à fuir chez moi. Je me suis fait laver. Je me suis fait découper. Terrible. Ouais, mon général tient la boutique, mais mon général est seul maintenant. Ouais, malheureusement, j'ai totalement surestimé mon armée et j'ai sous-estimé la sienne. Je pensais vraiment. Vous savez que je pensais. Dur comme fer, j'allais l'éclater. J'étais sûr. Hein. J'étais sûr que j'allais l'éclater. Convaincu. Hein. Bon, si j'arrive à l'amener à 50% de perte avec mon général, je serais plutôt content. Là, le but maintenant, c'est de faire du kill. Maximum de kill. Mon général est balèze. Il faut que je me débarrasse de ces affreux swordsman.
Oh là là, ces épéistes T2 sont... C'est eux qui m'ont découpé aussi en partie mon infanterie. Ils sont compliqués à gérer à mon niveau. J'ai hâte de jouer avec la Bretonnie. J'ai hâte de jouer, de continuer à jouer avec les nains et j'ai hâte de jouer d'autres factions. À Warhammer, j'ai hâte de jouer à Warhammer. Allez, chopez-moi ça. Mon général qui fait un boulot incroyable. Hein. Eh, mon 47% de perte, ça tombe. Les cavaliers, on les croque au fur et à mesure qu'ils arrivent. Allez, chopez-moi les swordsman là. Allez, chope-le. Ils sont intuables. Enfin, s'il y avait pas ces merdes de swordsman pour faire tampon, ça se passerait mieux. Hein. Parce que là, ils bloquent. J'espère que je vais réussir à en avoir un peu plus avant la fin du chrono. 4 minutes. Ah, moi j'aime bien l'infanterie lourde. Oh, j'ai du mal avec la cave. Alors, j'aime bien jouer la cave quand même. Mais c'est juste que j'ai pas les skills en micro pour gérer le coup de cave. Écoutez, là on fait du kill. Hein. L'heure tourne, on fait du kill. Hein. On va essayer d'amener à 50% de perte, ça sera pas mal. Et on va amener des renforts, on va amener de la troupe. Hein. Mon seul regret, c'est pas de pas avoir réussi à tuer des généraux, malheureusement. Il y avait des généraux, j'ai échoué. Ah, il y a de l'infanterie légère maintenant, moi je fais rien. Je fais rien, on va accélérer ça. Eh, les généraux qui font. Mon général qui fait un boulot incroyable et qui va mourir avant la fin du chrono. Eh, je les découpe, hein. Regardez ça. 52%. Ils sont forts, les généraux du... En face, c'est du T1. Ah, il est mort. Dommage. On aura fait le boulot. 55% de perte. Vu la raclée que je viens de prendre. On aura mangé presque toute l'armée, là. Voilà. Ça m'attaque pas par derrière, non? Ouais, retour d'un an, je retente pas. Hein. Mec, on fait pas ça ici. Hein. Bataille perdue, c'est bataille perdue. Hein. Ouais, les troupes. Putain, ouais, mon général a bossé, mais le reste, catastrophique. Même les marines de l'Ebonine, 180 kills. Ouais, mon infanterie T1, mes miliciens sont nuls à chier. Je les ai sous-estimés, j'ai fait cette erreur. Une erreur, on perd la ville, c'est pas grave. J'ai des renforts qui arrivent. On va ramener une armée. Et je vais faire le siège de la ville. Et on va se battre. Je vais amener les Talon Knights là. Tu vas voir. Il me semble que Imaril il est avec les Talon. Unité de Talon Knights. Ouais, il va me falloir des piquets. Je pensais pas me faire bousculer comme ça. Je pense que j'étais convaincu que j'allais gagner cette bataille. Je viens de me faire péter la gueule. Et là, je suis limité au niveau troupe. Il va peut-être même m'attaquer. Ça va être compliqué. Regardez les stacks qui arrivent. Je suis absolument pas prêt à ça. Ah ouais, il m'attaque direct. Je vais me barrer. Je vais me replier. Et s'il veut attaquer, il y a un moment où je la gagne, cette bataille. En bordure de carte. Oh. J'ai Adrail et Imaril. Hein. Imaril est en cave. Vous savez que ça se tente, hein. Ça se tente, mais je vais jouer la prudence. Oh, l'erreur. Putain, mais c'est pas possible. Il a combien de... Il a combien de portée, l'autre, là? Ouais, et puis l'autre, là, c'est Jakku. Lui, il gagnera jamais. Ouais, là, malheureusement, on va faire la bataille en auto. J'ai pas le choix. C'est pas grave. Je vais me replier... Ouf, ça fait mal.
Allez, barre-toi. Normalement, il va pas poursuivre. Non, il poursuit pas. Il envahit fort. Bon, ici, on a pris Osgiliath. Mais le problème, c'est que mes revenus sont... Ça se passe pas bien pour le Dune Landings. Ici, je vais rassembler une armée. Hop. Hop. Voilà. On va prendre tout ça. Voilà. Parfait. J'ai réussi à lever une petite armée. Je vais replier mon général. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est des rebelles, ça? On va lever de la viande. Voilà. On va se préparer à voir une armée arriver. Putain, ici, il faut des... Il va me falloir des unités plus balèzes. Hein. Je vais commencer à faire du T2 là-haut. Qu'on va envoyer dans le sud après. Dans des piquets. Là, financièrement, ça devient difficile. Hein. Faut pas que je me fasse backstab par l'Isengard. Hein. Parce que là, je suis... Je suis ric-rac, hein. Mais j'ai quand même des armées de prêtes. J'ai quand même de quoi lever un stack et aller attaquer s'il attaque. Mais par contre, je serai au niveau économie. Bon, regardez, c'est pas dégueu ça. Ça, c'est pas dégueu. Et ici, c'est tenu solidement. On a perdu une ville. Mais on va contre-attaquer très prochainement. Il y a beaucoup de caves. J'ai un peu d'anti-caves, mais pas assez à mon goût. Est-ce que. Bref, non. Et j'ai pas d'argent pour Osgiliath, malheureusement. On va avoir une sacrée bataille ici. Hein. Tour suivant. Manque d'archer en défense. Ouais, mais je me suis fait surprendre. Je pensais pas voir le Variag débarquer comme ça, d'un claquement de doigts, avec deux stacks, presque deux full stacks. Je me suis fait surprendre. J'étais très confortable. Bam! Bataille! Il me semble qu'il doit faire des béliers sur cette carte. Enfin, je crois. Ou il peut attaquer tout de suite. 22 minutes? Comment ça, 22 minutes? Normalement, c'était censé être à 23h16. Ils ont avancé le tir. Oh, quel enfer! Ou alors on parle pas de la même chose. Attendez, je vais à table. J'ai rien dit, erreur. Ah, c'est ça. Putain. Encore de l'info chat. Encore de la bonne info. Ou à nouveau général, je prends. Bon. Ok, oh, ils sont balèzes, les orques des montagnes. Bon, ici, on a réassemblé l'armée. En plus, je crois qu'il est bloqué. Hop. Voilà. Et éventuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'anti-cave par le nord, et que tour prochain, on va renforcer. Putain, il y a Ardunen qui débarque au pire moment. Ok, ça devient chaud. Ça devient chaud. Ça devient sport. Et là, heureusement que j'ai développé un petit peu mon économie au début. Est-ce que ça se jouerait pas? Non, je manque d'archers. Je manque d'archers, j'ai pas les infrastructures pour faire des archers et de la cave. Enfin, j'ai pas d'argent. Je vais peut-être devoir réaugmenter les impôts si ça devenait être trop compliqué. Et là, dans le doute, on va faire des béliers. Y a qui là-dedans? Oh putain. Variag Bowman. Eh, hey, regardez cette unité, on l'a saignée cette unité. Ça nous met très très bien. Allez. J'espère qu'on va peut-être avoir le temps. Est-ce qu'on fait ce soir la bataille à Osgiliath Est? On va essayer. Ah si, c'est une heure. Ça nous met bien si c'est une heure.
J'aurais bien aimé stopper dans 15-20 minutes. Oh là 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 là, regardez ça. Ça attaque pas. Ça attaque pas tout de suite, en tout cas, il doit faire plus d'engins de siège. Oh là là, mes traces, ça attaque. Ouf. Je me fais bousculer. L'autre avec les rebelles, au secours. Bon. Attendez, il y a un coup à jouer là. Il y a un coup à jouer pour faire sortir la garnison. Comme ça. Oh là là, c'est chaud. Oh. C'est le chef de faction qui est seul. Le chef de faction qui est seul. On passe pas. C'est pas des bonnes armées qu'il a là. Ça se tente, les gars. Ça se tente complètement, hein. Ça se tente complètement, hein. Moi, j'y vais, hein. Let's go. Bataille. Je suis confiant. Ça passe en auto. Je pense que je peux la gagner comme ça. On va jouer le beau jeu. J'amène une belle armée. Et j'amène surtout... Imaril. Oh, il est avec les Warden, les gardes de Tyris Aer, donc il est plus en Talon Knight. Ça, c'est nouveau, c'est dans le mode, hein. Parce que normalement, il était avec des... il était avec les Talon Knight. Adrail. Là, je veux me débarrasser de tous les généraux. Même si ça va être un peu difficile, peut-être, au niveau du combat. J'ai quelques bons archers. Même si je suis pas fan de ces archers-là. Les piquets sur les flancs, on va y avoir pas mal de caves. Adrail pour défendre. Au centre aussi. On va mettre Adrail directement au centre. Une petite réserve. C'est pas brillant, mais on va faire avec. Et on va le rusher. On va le rusher. Ah merde. Au pire endroit. Pire endroit. La question c'est, est-ce que je le mange avec Imaril? Je voudrais bien rusher ça. Le problème c'est qu'il y a l'autre armée qui arrive. Oh non, j'avance trop là. Ok, il va venir, je vais lui faire des pertes au tir, et il va être forcé de venir. Enfin, j'ai pas la portée, c'est une blague. J'ai pas la portée, putain. Donc lui, il va avoir la portée. Je suis en bas de colline, ma prise de fight est merdique. Ma prise de fight est merdique. Et le fait que j'ai pas la portée... Attends-toi. Ça protège pas. Moi, je vais venir te chercher. Je vais venir te chercher. Allez. Oh, je prends déjà des pertes dans les... Allez, on se débarrasse des archers. Par contre, je prends déjà des pertes. Oh, allez. Je prends déjà cher. Je voudrais bien l'amener au CAC, mais il veut pas venir. Elle va être affreuse cette bataille. Ne prends pas de risque, ouais, mais je suis en bas de colline. Il est en train de faire fondre ma cave. Il faut que je l'engage au corps à corps le plus rapidement possible. Il faut que je l'engage au corps à corps le plus rapidement possible.
Parce que là, ça se passe pas bien du tout. J'ai perdu 10 cavaliers pour rien. Mon avantage là, c'est le cac. Sa putain de cave est insupportable. Oh, ce que je prends, mais oh là 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 là, les variaques, c'est horrible à affronter. Allez, on fonce. Hop. Hop. On va choper la cave. Où tu vas, toi? Où tu vas? Où tu vas? Ici, on tient les flancs. Oh là là, oh là là, oh là là, ça va être compliqué. Il y a tellement... Allez, il faut que j'arrive à passer à côté. Ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien du tout. Ça se passe vraiment pas bien. J'oserais même dire que c'est un désastre. Hein. Je me fais éclater. Bon, là, je commence enfin à engager sa cave. La cave, je vais la croquer. Là, je vais aller chercher le corps à corps. Il va falloir que je joue autour de... de mon anti-cave. Ah là. Allez, ici, on a croqué sa cave. Ici, je vais le troller. Allez, ici, mange sa cave. Le problème, c'est qu'il y a son chef de faction qui est là. Allez. Là, on vient supporter. Oh, les variags. Les archers variags vont être insupportables à gérer. Ces généraux vont me... tellement me pourrir la vie. Oh, là, il vient me chercher avec sa cave. Je suis dans la merde. Oh, les pertes que je prends! Allez! C'est compliqué. Hein. C'est très très compliqué. Allez. La light cave, je peux la gérer. Au corps à corps. Allez. Au niveau des pertes, c'est catastrophique. Hein. Je me fais manger. Je sais, mais pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, ça tient. En face, c'est que du T1, là. Je les croque. Je vais essayer de jouer avec mes généraux le plus loin possible. Je me rappelle pas que les milices étaient aussi nuls à chier. J'ai fait de la merde. Mais je sais pas comment j'aurais dû. Déjà. Adrail, il est mort tout de suite. Quel enfer. Bon bah maintenant il n'y a plus besoin de le replier au moins. Il est mort tout de suite. C'est absurde. Je déteste les généraux comme ça qui meurent tout de suite. Quel enfer. Bon, j'ai engagé son chef de faction. Putain, général qui meurt comme ça. Bon bah là on est dans la merde. On est dans la merde hein. Allez, rien qui se passe comme bien. Allez, mange-moi cette cave légère. Bon, ils étaient 71, on les a croqués. Hein. Bon, là, au moins, ils vont faire du kill. Donc, cac là. Et je vais pas réussir à tuer son chef de faction. Pourtant, ça tombe. Hein. Allez, chope-le. Un prêté pour un rendu. Oh là 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 là, on s'est fait mais manger. Oh. Encore une bataille désastreuse. Hein. Encore une bataille désastreuse. Et là, lui, ça fuit pas.
Attends, c'est du bon nomade pourri, là. Allez, 3, 2, 1, allez, allez. Voilà, bon, là, je vais aller... Je vais essayer d'aller aider, bon. Allez, on vient aider. On va essayer de venger Adrail, faire le maximum de pertes. Ils sont plus que deux, là. J'ai encore Imaril. Et l'unité en soi, l'unité précédente de mon général est intacte. On va continuer à essayer de target les... Il reste plus que de la racaille quasiment. Hein. Elle n'est pas encore perdue cette bataille, vous allez voir. Il y a un moment où on fait quelque chose. Oh non, mais si je fais des charges aussi merdiques aussi... Non mais non, le général, tuez-le! Le général ennemi qui me troll. Allez, tuez-le s'il vous plaît, j'ai le droit. Il y a trois généraux à avoir. Un de moins. À mon tour d'avoir un peu de bonheur. Et là, on fait du boulot. Il y a encore un autre général à manger ici. Non, mais je me fais attaquer par... Lâche-moi! Ils sont shaken. Je vais essayer de venir. Attends. Allez, une belle charge. La charge est merdique. La charge est merdique. Allez! Si j'arrive à... Allez. Voilà. J'aurais pas fait une seule belle charge de la soirée. C'est indécent. Hein. Des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Allez. Allez. Voilà! Allez, dans le dos! Et on l'a pas eu. On l'a pas eu. Allez, on se replie, on recommence. Un petit peu. Ils sont plus que 4 les variags nobles. Allez, si on les découpe, on revient. Je vais aller me débarrasser des archers là-haut. Oh là 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 là. Allez, baisse les piques, une belle charge, on va les faire paniquer. Ils sont déjà dans le jaune, dans le rouge, voilà. Allez, ça panique ça. Voilà, ça panique, parfait. Ça dégage. On va venir dans le dos ici. Allez, il a pris 89% de perte. Allez, un général en moins. On va tout lui prendre. J'en ai pas fini. Allez. Vous allez voir, je vais la gagner cette bataille de merde. Ça va tout me coûter, mais je m'en fous. Allez, ça fuit. Il y a encore un général. Ils étaient trois généraux, hein. Ils étaient trois généraux, il me semble, hein. Je vais leur montrer comment on meurt à Dol'Amroth. Allez, c'est de la légère, mangez-moi ça. Voilà, ça dégage. Allez! Ouais, les mecs sont cuits là. Les mecs sont cuits. On va venir appuyer. Oh, là, le problème, c'est que c'est de l'anti-armure, les Axeman. Eux sont extrêmement gênants. Ouais, j'arrive pas à charger correctement. On va aller au corps à corps, simplement. Variag Noble! C'est pas le général, ça, non? Je pense pas en tout cas. Je l'ai gagné, les gars. Il reste un général ennemi. Si j'avais pas. Toute mon armée est passée. Oh putain! Et le prince de Dol'Amroth! C'est le général!
Reviens là! Reviens là! On a gagné. Victory is ours, but only by a sword's edge. On a tué les trois généraux. Eh, regardez l'armée de l'unité d'Adraïn. 555 kills. Vous imaginez s'il n'était pas mort, ce con, dès le début? Il a carry la bataille, hein. L'unité a carry la bataille, hein. Dommage, hein. J'y pouvais rien, hein. C'est vraiment pas de bol qu'il soit mort aussi rapidement. Et maintenant, elle n'existe plus. C'est pour ça que je l'ai rentabilisé au maximum. Je l'ai rentabilisé au maximum. On va peut-être même prendre la ville. On s'est quand même débarrassé d'un full stack, hein. Là, les trois armées mises ensemble, hein. C'est pas mal, hein. Sacrée bataille. Allez, ouais, j'exécute. Et il y a un autre stack juste derrière. Et on va prendre la ville. Et j'aurai rien pour la défendre. Par contre, je peux envoyer des renforts. Par le sud. Et par le nord. Ok. C'est le roi. Techniquement, c'est une principauté, donc c'était le prince qui est mort. Mais le prince est... Maintenant, bah, c'est... Le prince est mort, vive le prince! J'oserais dire. Écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Mais ça commence fort. Ça y est, le run est lancé. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Au moins, on a fait des économies. Les frais de bouche abusifs d'Hydraïl ont été mis à jour. C'était un complot, on voulait s'en débarrasser. Voilà. On va avoir des sacrées batailles qui vont arriver. Hein. C'est Shivu, les sables du désert, qu'on avait déjà cassé, à qui on a déjà cassé la gueule. Qui est là, hein. Bon. Je relancerai le stream d'ici... Bah, je vais relancer le stream dès que j'arrête, là. Je vais faire ma minute... Je vais lancer la minute spatiale, puis on va aller voir le... Petite tourne de Falcon Heavy. Il y avait un film de Seconde Guerre mondiale, les troupes américaines en Afrique, les rebelles à la guerre. Au secours. Bon, peut-être à tout de suite. Et sinon, demain, je ferai peut-être... Alors demain, je ferai le jeu avec les fourmis, là. En début d'après, mais en soirée, on fera du Anno 1404. On a décalé, ça nous a arrangé tous. Donc il y aura Ten Green, Christo et un fille, on continuera le run. Bon, peut-être à tout de suite. J'éteins, je rallume. Allez, peut-être à tout à l'heure, et sinon, passez une bonne soirée. Ciao.